Voilà, bonjour. Désolé pour les petits retards. Que le Seigneur te bénisse. Connectons-nous, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Ah, nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qui est en train de se lever. Nous le bénissons pour sa fidélité, son amour. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Nous attendons nos bien-aimés. Bon début de semaine. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Oh, you are blessed, you are blessed, you are blessed. You are blessed, you are blessed. Que Dieu bénisse ta semaine au nom souverain de Jésus. Qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ta main droite, qu'il bénisse ta main gauche, qu'il te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, te bénissons pour cette nouvelle journée. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie et la santé. Merci parce que tu es vivant pour l'éternité. Je prie ce matin que ta bonne main qui surpasse toutes choses soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Voilà, partageons la vidéo. Qui a déjà partagé à plus de 10 personnes ou bien à plus de 10 groupes? Pendant que tu le fais, que le Seigneur te comble au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de notre Dieu soit sur toi. Qu'il te garde. Qu'il te garde au nom de Jésus. Père, merci au nom précieux de Jésus. Merci pour ta grâce. Déjà, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer un événement majeur. Pour moi, c'est un événement majeur pour cette année 2022. La Convention internationale de la jeunesse. La Convention internationale de la jeunesse, ça commence ce jeudi, du 11 au 14 septembre, août, du 11 au 14 août. Voilà, nous serons à la bière. Je voudrais demander à tous les parents qui me suivent de laisser à leurs enfants l'opportunité d'être présents à l'église. Le Seigneur agira avec autorité. Dieu bénira ton enfant. Déjà, nous voulons préparer les enfants, les jeunes et les tout-petits pour leur destinée prophétique. Vous savez, il y a une éducation biblique que nous voulons donner à nos enfants. Et pour moi, c'est très important. Avant même de commencer le ministère, c'est un gros fardeau que le Seigneur m'avait mis à cœur. L'éducation des enfants chrétiens et de la jeunesse chrétienne. Et à l'époque, j'avais ce qu'on appelle le projet de l'ERB, l'école de la récitation biblique. Pourquoi l'ERB? Parce que moi-même, je suis le produit de l'islam. Ça veut dire que je suis né dans l'islam, j'ai grandi jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai le Coran dans ma tête, dans mon esprit. Les sourates et les ayats que j'ai appris sont toujours là. Vous voyez. Et tous les musulmans, quand vous voyez les musulmans et les juifs, ils récitent tous leurs livres sacrés. Ça veut dire que le juif, à 14 ans, récite déjà toute la Torah, le Pentateuque et tout ça. Il récite toute la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et le musulman récite déjà tout le Coran, au même âge, 14 ans, il récite tout le Coran. Ce ne sont que les chrétiens qui sont des fainéants, entre guillemets. Permettez-moi le terme, je sais de quoi je parle. Ils sont forts dans les bavardages, forts dans les calomnies, forts dans le mouchardage, forts dans les disputes, les discussions vaines, les disputes vaines. Mais la mémorisation, la Bible, c'est rien. Un jour, je me souviens que j'étais en train de mémoriser, de réciter la Bible. En hébreu et en grec, un frère chrétien m'a carrément répondu que ça ne sert à rien. Oui, réciter la Bible, ça ne sert à rien, ça ne sauve pas. Mais le problème, ce n'est même pas d'abord le problème de salut. Il faut déjà comprendre que il faut commencer par réciter quand même quelques versets bibliques. Parce que si tu es un croyant, un chrétien, tu n'arrives pas à réciter la Bible. Tu ne peux pas réciter un seul verset avec exactitude sans que le diable ne se fâche.
que tu as commis des erreurs dans la récitation de la parole de son Créateur. Je ne parle pas de Dieu, je parle du diable lui-même. L'ennemi de Dieu, sans qu'il ne se fâche. Que non, non, là tu as fait faux. Parce que même le diable récite la Bible, il y avait exactitude. Vous savez, j'ai étudié Matthieu chapitre 4. J'ai étudié les passages de la Bible que le diable a cité à Jésus. Je suis allé vérifier et c'était exact. Mais c'est difficile de voir un enfant de Dieu aujourd'hui qui récite la Bible et c'est exact. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des paresseux. C'est des tonneaux vides, la plupart. La plupart des chrétiens, même des hommes de Dieu, c'est des tonneaux vides. Ça veut dire on n'étudie pas la Bible, on n'étudie pas les Saintes Écritures, on ne mémorise pas, on ne psalmodie pas la parole. Donc nos enfants doivent avoir cette éducation. Et dans ce programme, c'est un programme pour les vacances. Et je crois que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je lance l'ERB, l'école de la récitation biblique, où pendant les vacances, on va pousser les enfants, parce que j'avais décortiqué ça, escortiqué ça, en quelques versets par jour. Et pendant les vacances là, l'enfant pouvait déjà réciter la moitié de la Bible. Quand il dit réciter, ça veut dire qu'à partir de Jean 1, là, il te récite tout le livre de Jean, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, Matthieu, tous les évangiles, les trois synoptiques, et puis etc. Donc, pour dire quoi? L'éducation de nos enfants est importante. Mais beaucoup de parents verront que non, la convention des jeunes, c'est aussi sans quoi. Ça va prendre le temps de mon enfant pour rien. Vraiment, je ne peux pas dépenser pour que l'enfant aille à l'église. Non. Donnons l'importance à ces choses, s'il vous plaît. Prends le temps. Dépense pour tes enfants qu'ils viennent à la bille. Tous les enfants, tous les parents, dans l'étendue du Cameroun, faisons-le par amour pour la destinée de nos enfants. Donc, la convention portera d'abord sur la préparation spirituelle de l'avenir de la destinée prophétique de tous nos enfants, les jeunes jusqu'aux plus petits. De deux, ce sera un moment d'activité culturelle, spirituelle, d'activité spirituelle et culturelle, où nous allons amener les enfants à s'occuper à autre chose, en les éloignant de la mondanité. Ils vont s'occuper à ce qui est utile pour leur âme, c'est-à-dire la lecture biblique, des kermesses, ce sera comme une forme de kermesse, des jeux de compétition biblique, etc., de culture générale, biblique, et puis d'informations générales. Dans tout cas, ce serait un moment de loisir, de divertissement, un moment d'épanouissement, de jeu, vraiment où nous allons nous éclater, mais spirituellement et dans la présence de Dieu. Un temps d'épanouissement où l'occasion est donnée à chaque enfant chrétien de s'exprimer. Pour montrer aux enfants chrétiens que ce n'est pas que le monde qui offre des loisirs, mais que l'Église a des loisirs plus intéressants, plus éducatifs et qui peuvent bâtir mieux que les loisirs du monde qui détruisent plutôt. Donc, il est capitalissime pour chaque parent de prendre très, très au sérieux cette convention de la jeunesse qui va du 11 au 14 août. On commence ce jeudi à la bille. Matin, soir, je serai là en séance plénière avec les enfants et les jeunes. Donc, il y aura des concours, ceux qui savent danser, ceux qui savent chanter, des groupes de musique, etc. Venez et inscrivez-vous. Vous avez le numéro du révérend Bassama. Donc, venez, inscrivez-vous, c'est gratuitement que cela est fait. Tu as un talent? Viens, un talent de slam, de récitation biblique, viens, on va faire le concours. Et à la fin, nous donnerons des primes scolaires au meilleur. Le meilleur récitateur de la Bible, le meilleur danseur, le meilleur chanteur, le meilleur groupe musical. Donc nous allons donner des bourses pour préparer la rentrée. Donc ce n'est pas seulement un moment de loisir, un moment d'éducation spirituelle. Mais ça sera aussi pour préparer la rentrée scolaire pour les enfants. Et je veux prier pour eux, que Dieu, qui m'a toujours béni sur le plan de l'intelligence, leur donne aussi son intelligence. Donc la convention de la jeunesse, c'est quelque chose de très important. Et il faut comprendre que c'est interdénominationnel, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés, tous les parents qui sont intéressés, que vous soyez chrétiens ou pas, vous voulez que vos enfants puissent être bâtis avec l'image de Christ en eux, donc envoyez-les à la Bir, en Kouaban, dans la ville de Yaoundé. Ne manquez pas. Donc, comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Ce sera un moment très fort. Ça, je crois en Dieu. Et ce dimanche ne manque pas à partir de 7h30 ici à Yaoundé. Ce sera un moment très fort. Nous sommes dans le mois de la gloire. Le thème de ce mois, c'est de la honte à la gloire. Donc, quelles que soient les forteresses, les puissances négatives et maléfiques qui te retiennent dans la honte, Dieu te sort de la honte et te fait marcher dans la gloire. Donc, c'est un mois où, quand nous allons clôturer avec le culte dernier, c'est le culte des familles le 28 août, à Douala Yaoundé,
et à Berthois. Je serai là le 21 déjà, ce dimanche, à partir de 8h30. Non, de 7h30. Ancien SCT Mokolo 1. Je serai là personnellement. Dimanche passé, je n'ai pas pu être là, mais je serai là. Donc ne manquez pas. Dieu nous a dit que nous devons, tous les dimanches, chaque famille, avec nos enfants, ô Seigneur, avec nos enfants, avec tous nos enfants, nous venons chacun avec sa bouteille d'eau et dans toutes nos églises, il y a des services de lavement des mains. Le Seigneur m'a dit, nous lavons les mains, laver les mains. La main représente ton ouvrage, ton œuvre, l'œuvre de tes mains, ta vie. Le succès, c'est dans la main, c'est le travail. Dieu veut bénir ton travail, l'œuvre de ta main. Dieu veut te rendre prospère, te donner le succès, la prospérité dans toutes tes activités. Donc, laver les mains, nous lavons nos mains de toute malédiction qui a des systèmes crevassés qui ont envoûté nos mains. Nous voulons être bénis. Donc, la main, j'ai dit, la main, c'est la prospérité, c'est le succès dans ta destinée. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il les a lavés? Les pieds, c'est la domination, la possession des terres. Il leur a donné autorité sur toute terre qui foulerait. Voilà pourquoi la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Et Jésus-Christ a lavé leurs pieds en préparation pour l'accomplissement de cette prophétie. Donc, ces actes prophétiques ont des significations spirituelles profondes et des répercussions positives profondes dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, lavant la main du Seigneur te rend prospère dans tous les domaines de ta vie sentimentale, ta carrière, ton ministère, tes projets, etc., etc. Donc, ne manquez pas ces cultes-là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Donc, chacun vient avec sa bouteille d'eau. Et ce dimanche, à partir de 7h30, nous serons ici à Yaoundé. Et pendant que tu le fais, la main de Dieu sera sur toi. Maintenant, je voudrais revenir sur un fait. Un fait que je trouve très, très important. Que je trouve très important. Ça concerne les hommes de Dieu. Vous savez, il y a tellement de guerres des hommes de Dieu. J'étais en train de discuter avec un jeune serviteur de Dieu chez moi hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, non, c'est hier. Et puis il me racontait un peu la discussion qu'il a eue avec certains jeunes serviteurs de Dieu après notre programme au niveau du palais des sports avec le prophète Joël Francis Tatou. Voilà. Donc il me disait, papa, vraiment, il y a eu des discussions, des jeunes qui disaient non, vraiment, le prophète Kale Ferdinand n'est pas le bâtonnier des prophètes au Cameroun. Mais attendez, entre nous, je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que vous avez déjà suivi un jour que j'ai revendiqué que je suis le bâtonnier des hommes de Dieu au Cameroun, sincèrement? Qui a déjà entendu le prophète Ekané Ferdinand revendiquer un jour qu'il est le bâtonnier des hommes de Dieu au Cameroun, qu'il est le plus grand homme de Dieu, ou bien l'homme de Dieu le plus oint au Cameroun? C'est pour les enfants, mes amis. C'est pour les enfants, c'est pour les insensés. C'est pour ceux qui n'ont pas encore connu Dieu à une certaine dimension. J'ai toujours eu l'habitude de dire que pour ceux qui ont connu Dieu, Dieu crée en vous l'humilité, l'effacement, c'est-à-dire l'effacement volontaire. Vous vous effacez, vous comprenez ce que c'est qu'un serviteur doulos. Parce qu'il y a des serviteurs kurios et les serviteurs doulos. Les serviteurs kurios, ce sont eux qui veulent la grandeur. Et il faut comprendre que les fils sont à l'image de leur père, c'est tout. Les enfants copient leur père. Et j'ai expliqué à ce serviteur de Dieu qu'il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a deux types de paternité. Et je lui ai dit ça clairement. Il y a deux types de paternité. Il y a les patera curios et il y a les patera doulon. Ou bien les pateras douloïs. Les pateras curios et les pateras douloïs. Ça veut dire quoi? Il y a les pères seigneurs et les pères serviteurs. Je lui ai dit que et les pères serviteurs produisent ce qu'on appelle ouïois douloïs ou bien ouïois curios. Ça veut dire les fils seigneurs ou les fils serviteurs. Il y a deux types d'église, deux types de paternité et deux types de filiation spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des églises, des systèmes ecclésiastiques où les fils sont des rois. Ça veut dire que le père règne avec ses fils. Les fils sont des rois. Quand tu arrives à l'église, les fils sont établis dans la même gloire que le père. Ils sont assis dans la gloire du père. Ils règnent avec le père. Et je lui ai dit que l'autre système, c'est où le père exerce le ministère et les fils sont serviteurs du père. Voilà. C'est deux types d'éducation spirituelle. Et je lui ai expliqué que
Dans le système où le père tient le bâton et les fils servent le père, c'est-à-dire versent l'eau dans la main du père, lorsque le père n'est plus, les fils commencent à régner. Mais tant que le père est vivant, les fils servent Dieu à travers le père, en servant le père. Et je lui ai dit que la différence entre les deux systèmes, c'est que le système où les fils règnent avec les pères, ces fils-là ne peuvent pas endurer les guerres de l'Éternel à un certain niveau. Parce qu'ils ne sont pas faits pour le terrain. Ils ne sont pas là pour le terrain, pour les réalités du ministère, pour les difficultés du ministère. Ça veut dire, dans tous les cas, ils ne peuvent pas supporter les guerres de l'Éternel jusqu'à un certain niveau. Tandis que ceux qui versent l'eau dans la main de leur père, qui subissent une formation dure et rude, ils sont prêts à tenir tête au monde entier. Aucun démon ne peut leur résister. Mais ceux qui ont connu la gloire, c'est-à-dire que qui ont vécu dans la gloire, qui règnent, c'est-à-dire que ceux qui connaissent la gloire avec le Père, non, ceux-là ne peuvent pas subir, supporter ou bien gérer certaines batailles, certaines guerres, certains défis de la vie. Or, moi, je suis un guerrier, je forme des guerriers. Donc, ce qui m'importe dans le ministère, c'est d'accomplir l'œuvre du ministère que le Seigneur m'a donné dans de bonnes conditions. Parce que le ministère, il y a tellement de dangers. Donc, on ne peut pas, mes amis. Je ne revendique rien. Je ne revendique pas de supériorité. Je ne revendique pas de première place. Je ne revendique pas. Mais je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Personne ne peut changer cela. On ne discute de ça avec personne. Ça veut dire que personne ne peut remettre en cause l'œuvre de Dieu entre mes mains aujourd'hui. Le monde entier en est témoin. Tout le monde le sait. Même mes ennemis reconnaissent que la main de Dieu est en train de faire des choses extraordinaires à travers ma vie. Mais je ne revendique rien pour moi-même. Parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Que les autres soient plus grands que moi n'empêche pas que j'accomplisse ma mission. Je n'ai pas besoin d'être plus grand que qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'être le bâtonnier. C'est-à-dire, c'est hier que j'ai appris qu'il y a des gens qui ont des mentalités où non, c'est notre père qui est le bâtonnier. Non, frère, même si c'est le gourdinier. Mais c'est là le gourdin. Je ne suis pas là pour ça. Ça, c'est mal me connaître. Nous sommes des guerriers. Je forme des guerriers. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas un esprit de guerrier, il ne peut pas être mon fils. Ce n'est pas possible. Il n'est pas mon fils. Voilà pourquoi, dans la formation que je donne, dans le champ de bataille, de façon pratique, beaucoup sont appelés, mais il y aura peu d'élus. Peu arriveront à la fin de la formation. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent. Je n'ai pas le temps pour les sentiments. Moi, prophète Ferdinand Ikane, je n'ai pas le temps pour ça. Et j'ai dit à tous mes enfants, vraiment, si vous pensez que la manière dont je vous gère est mauvaise, allez chercher notre père. Cherchez le père. Tu ne peux pas être fils d'un père qui n'est pas de la même race que toi. Nous produisons des guerriers parce que nous sommes des guerriers. Et c'est comme ça qu'on a été formés. Moi, je n'ai pas connu l'affection de la part de mes pères. Non, ils m'aimaient. Mais ils exprimaient leur amour pour moi dans leur dureté, dans ma formation. Et aujourd'hui, je peux affronter n'importe quel genre de situation dans ma vie à cause du genre de formation que j'ai reçu. C'est l'héritage. Chacun a l'image de ses parents. Chacun a l'image de ses parents. C'est ce que ton père te donne, que tu portes. Mais j'ai dit une chose. Lorsque vous êtes un fils, on ne peut pas vous faire le reproche. Le reproche, son importance dans ta vie, c'est quoi? C'est le brisement, l'humilité. Si on te reproche et tu supportes, tu as 37 degrés. Sache que l'œuvre de l'humilité, l'image de Christ est en train de se parfaire en toi. Mais si tu dis que tu es un fils, on te reproche, tu te fâches. On te gronde, tu te fâches. On te fait le reproche en public. En public, tu te fâches. L'apôtre Paul a dit que pour certains, reprends-le en public. Afin que si quelqu'un voulait aussi faire la même chose, le même péché qu'eux, qu'il soit découragé. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour produire des médiocres. Je ne suis pas là pour produire des cancres spirituels. Je ne suis pas là pour produire des aventuriers. Non, je ne suis pas là pour produire n'importe quoi, une race de médiocres. Non, je crois en l'excellence. Je crois en l'excellence et je crois que mes fils, les vrais fils, et je ne parle pas des aventuriers, je parle des vrais fils. Mes vrais fils, ceux qui portent mon ADN spirituel, iront au-delà de ce que je fais. Ça, c'est clair. Ils feront au-delà de ce que je fais. Ils feront ce que je fais, mais ils feront des choses plus grandes. Je crois en Dieu pour eux. Ça, je le sais.
Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu es un enfant, on ne peut pas te donner direction, on ne peut pas te réprimander, et réprimander même parfois, pourquoi? Pour des fautes lourdes que tu as commises. Pour des fautes lourdes. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, de cette génération. Elle est orgueilleuse et prétentieuse, avec une fausse humilité. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que je ne suis plus un enfant dans le ministère. Ma barbe s'est allongée entre temps, elle a blanchi. Et je disais à l'un de mes fils, il y a de cela quelques jours, je ne suis pas ému par les mots. Papa, je t'aime. Papa, je vous aime. Oh, vous êtes mon papa. Ou bien par les publications que certains font en mon nom. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Parce que tu ne peux pas déclarer qu'une personne est ton père, mais tu ne peux pas t'identifier en public à cette personne. Non, non. C'est de l'hypocrisie, en fait. Tu ne peux pas revendiquer la paternité d'une personne avec qui tu ne peux pas t'afficher en public. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, déclarer, oh, c'est mon père, le prophète Kadhi Ferdinand, vraiment, ça, c'est bien. C'est une déclaration importante. Ça montre que tu n'as pas honte de ta filiation. Tu assumes ta responsabilité. Ça, c'est important. Mais à mon niveau, ça ne m'émeut pas. Pourquoi? Parce que la loyauté ne se dit pas. La loyauté se vit. Je répète, la loyauté ne se dit pas. La loyauté se vit. Quelqu'un qui est loyal ne parle même pas beaucoup. Parce que l'expérience a montré que la plupart de ceux qui ont fait mes publicités, oh ça c'est mon père, pas seulement moi, d'autres hommes de Dieu diront la même chose. La plupart de ces jeunes qui viennent s'afficher en public, non c'est mon père, non c'est moi son fils, oh je suis comme ça, oh mon papa, c'était des déloyaux dans l'ADN, dans leur ADN, ils avaient la déloyauté. Leur sang, c'était la déloyauté. Ils ont toujours fini par trahir leur père, par quitter ou bien par partir. Non pas que partir est un problème, mais que quitter est un problème. Non, mais nous disons qu'il faut que les gens comprennent. On n'est pas dans une compétition avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Ça n'a jamais traversé mon esprit, ça ne traversera jamais mon esprit. On n'en a pas besoin. Je ne suis en train de compétir avec personne. S'il faut une compétition, je la fais avec moi-même. C'est-à-dire que je m'évalue, je m'auto-évalue. Est-ce que par rapport à hier, j'ai évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier? Donc ça, c'est des questions que je me pose. Mais je m'en fiche de qui est plus grand, mais qui est plus petit. Je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de prendre autorité sur qui que ce soit. Non, 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 non. Mais personne ne peut annuler ce que je fais. Et je ne peux annuler ce que personne fait. Donc c'est un peu ça. Bon, si nous connaissons déjà ce principe spirituel, que chacun en sa place marque son authenticité, chacun en sa place marque sa génération. Bon, ça va. J'apprécie ce que Dieu fait à travers mon frère. S'il ne peut pas apprécier ce que Dieu fait à travers moi, c'est son problème en réalité. S'il apprécie, c'est aussi bien. C'est bien pour lui-même. Mais l'œuvre de quelqu'un ne peut pas me frustrer. Jamais. L'œuvre de personne ne peut me frustrer. Non. Chacun est un échantillon unique. Chacun porte quelque chose de spécial. Comme je disais à quelqu'un hier, personne n'est remplaçable dans cette œuvre-ci. Personne ne peut remplacer personne. Chacun vient, reçoit de Dieu un don particulier et accomplit le devoir que le Seigneur lui a donné, c'est tout. C'est ça la réalité. Donc si quelqu'un veut être le plus grand, vraiment qu'il soit plus grand. Quelqu'un veut être premier, qu'il soit premier. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, prophète Ferdinand Canet, c'est que l'évangile de Christ soit prêché. C'est tout. C'est que la main de Dieu soit puissante dans ma vie. Que sa gloire se reflète à travers mon ministère. C'est ça. Donc, il n'y a pas question de bâtonnier. Mais si c'est la spatule que vous voulez, j'ai déjà fait un direct sur ça. Prenez le bâton, prenez le gourdin, prenez même la baramine. Prenez, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ma préoccupation. Et je voudrais dire au fils que vous devez faire attention. Ne vous mêlez pas des affaires de vos parents. C'est être insensé. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui la dirige. Et la sagesse de Dieu est immense. Dans chaque chose, Dieu a un intérêt dedans. Et de toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il faut que les gens comprennent cela. Dans chaque chose, ce n'est pas bon d'avoir un jugement précipité. Non, ce n'est pas bon. Il faut faire attention.
Parfois, les fils sages, c'est ceux qui passent la main à la bouche. Ce qui devrait vous préoccuper, c'est est-ce que l'héritage des pères, si on l'aura? Est-ce qu'en notre temps, en notre saison, nous allons accomplir ce qu'ils sont en train d'accomplir? Parce que ce n'est pas négligeable. Ce n'est rien par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais par rapport au Cameroun, c'est quelque chose. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, tout le monde se serait levé pour aller faire cela. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que c'est le bâton de celui que Dieu a choisi qui fleurira. C'est ça la réalité. Donc, il faut que les enfants comprennent. Vous manquez de sagesse. Les fils d'aujourd'hui, ceux qui pensent être trop sages en donnant des positions par rapport au père. Un enfant sage ne prend pas de position pour un père, par rapport au père. Il ne prend pas de position. Lorsqu'il y a des incompréhensions parmi les pères, il ne prend pas de position. Et je le dis à tous mes fils, et je bénis Dieu pour mes fils parce qu'ils ont la sagesse de Dieu dans leur cœur. Pour la plupart d'entre eux. Je n'ai jamais vu un de mes fils prendre position sur Internet ou sur Facebook. Que notre père est le meilleur, celui qui a fait ceci. Non. Parce que les enfants sont à l'image de leur père. L'éducation que tu as à la maison, là, c'est ça qu'on voit dehors. Donc, s'il y a des enfants qui veulent que leur papa soit le bâtonnier, ok, non, c'est tel homme de Dieu qui est le bâtonnier. Non, c'est l'autre là qui est le bâtonnier. Ça veut dire qu'ils voient ça dans leur père. Ils ont vu en leur père la volonté d'être dominé sur les autres hommes de Dieu. Qui suis-je pour dominer sur mes frères? Il faut que les gens comprennent ça. Je ne suis personne. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'être plus grand que qui que ce soit. Ce n'est pas ça mon but dans le ministère. Il faut que les gens comprennent cela. Restez avec. Restez avec les bâtons, on vous donne tous les bâtons. Mais les bâtonnets, on vous donne. Les crayons, on vous donne. Tout ce que vous revendiquez, on vous donne. Si tu remarques quelque chose dans mon ministère qui t'appartient, viens, je te remets ça. Pas avec. Mais Christ ne sera pas moins glorifié dans ma vie ou à travers ma vie. Le ministère, mes amis, ce n'est pas une affaire humaine. Vous devriez comprendre ça. Cette génération doit comprendre ça. C'est la main de Dieu qui est dedans. Je ne peux pas faire des affaires de Dieu, des affaires humaines. Non. Je suis un homme spirituel. Je connais qui je suis. La jalousie de quelqu'un, les médisances, ou bien, je ne sais pas, les conspirations, ça, on s'en fout, mes amis. On s'en fout de ça. On s'en fout. Ça dit, je m'en fous éperdument. Éperdument. Comme j'ai dit hier, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me dire, oh prophète, c'est un homme de Dieu qui m'avait vu. Qu'il était à une conférence, des hommes de Dieu qui ont dit, non, on va isoler le prophète Ferdinand Ikane. Vous m'isolez. Et j'ai répondu qu'on n'isole pas quelqu'un que Dieu a déjà isolé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour survivre. Non. Je n'ai pas besoin. On peut avoir, comme l'ambassadeur de Chine a dit hier sur un plateau en France. Il dit, la France, on est partenaire, on n'est pas des alliés, on est des partenaires. Et on a demandé comment ça? Il a dit, non, on n'a pas besoin de la France. La Chine n'a pas besoin de la France pour être la Chine. Le prophète Kané Ferdinand n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour accomplir ce que Dieu lui a confié comme travail. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de partenaires, pas des alliés. Il faut que les gens comprennent cela. Non, j'ai besoin. J'ai besoin des partenaires, pas des alliés. Hein? Ceux qui cherchent les alliés cherchent la force. Ils veulent être fortifiés. Non. Ma force vient déjà de Christ. Ma force vient de Christ. Je n'ai pas besoin. Donc si un homme de Dieu pense que, ou bien certains hommes de Dieu pensent, on va isoler le prophète Kané Ferdinand, je suis déjà isolé. Vous-même, vous le savez, je suis dans l'isolement. Et c'est dans l'isolement que je progresse. C'est dans l'isolement que je prospère. Au contraire même, les associations nuisent parfois à mon évolution. Les associations parfois ternissent mon originalité. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, je n'ai pas besoin d'alliés, j'ai besoin de partenaires. Le partenariat pour le but de l'Église, l'unité du corps de Christ. Parce que dès qu'on dit unité du corps de Christ, je suis intéressé. Parce que ça fait partie de mon ministère. Mais si on pense que je serai allié parce que je me rattache à quelqu'un parce que j'ai besoin de quelque chose de cette personne, c'est mal me connaître. C'est très très mal me connaître. Non, c'est mal me connaître. On n'isole pas celui que Dieu a déjà isolé. Je le répète, on n'isole pas celui que Dieu a déjà isolé. Moi, c'est dans l'isolement que je suis nourri. Ma nourriture, c'est l'isolement. C'est vous, pour vous que l'isolement pose un problème parce que il y a des hommes de Dieu qui ont l'esprit grégaire, d'autres l'esprit solitaire. Nous, on est des Tishbites, on vient de Tishbé. Moi, je suis l'esprit solitaire.
Mes programmes que j'ai faits, c'est la première fois que j'invite quelqu'un au palais de sport. Et il faut que les gens comprennent que mon programme avec le prophète Joël Francis Tatou, c'était une invitation. Je l'ai invité à un programme. J'avais un culte national. Je l'ai invité. Et je lui ai dit, OK, comme moi j'avais simplement le dimanche à faire, comme tu viens, on va faire 3 jours. Et j'ai payé. J'ai payé les 2 autres jours pour que ça fasse 3 jours. Je n'ai